résister à la Cour suprême a confirmé que deux magistrats soumettent leur démission et qu'un troisième a indiqué qu'il y a aussi risque de quitter bientôt. Dans l'interview après-midi, M. Melchior Vidot a dit que la raison principale qui sa deux magistrats étrangers en cas de contrat 10 ans, c'est à cause de la pas révision salaire. Il décrit sa situation comme une crise, vu qu'il n'a pas dit localement qu'il voulait faire sa travail pour sa paye. Le système de TSSL, comme là, il y en a 4 juges de la Cour d'appel, 4 juges de la Cour suprême, et qu'un cinquième, sa nouveau service qui peut arriver bientôt, aussi bien que 4 magistrats. Magistrats, il s'acquit aussi appel juges de la Cour. Ça y a cause. Tout le monde dit qu'il a arrêté, il passe devant la Cour magistrat en premier, avant qu'ils aient cas, d'après gravité, ils transfèrent dans grand la Cour, ça veut dire la Cour suprême. Actuellement, il y en a 2 magistrats sicilois, 2 madames, et 2 magistrats étrangers, 2 hommes tanzaniens. Résistera à la Cour suprême, M. Melchior Vidot, qui est aussi en charge de l'administration de la Cour, il confirme rapport comme quoi ça dit Tanzanien, pas pour arriver jusqu'à octobre, pour être complet de première année ici. En effet, il y a des magistrats et tous les deux magistrats expatriés qui ont fini mes autres démissions et qui ont fini leur thème à la fin août. Et ils ont pu aller à la fin août. Et je te dis, quelle raison ils ont pu quitter? Raison plus pertinente, à cause de leur envie. Démissionné, c'est la paye qui gagne au fait pour les magistrats qui, je pense, est beaucoup bas, comparé avec quelquefois la paye qui est un avocat, en dehors, il a fait et je ne vois pas aucune possibilité qu'il la paye, qu'il gagne, improve, qu'il n'y a pas d'incrémental dans une décision, qu'il y a des choses qui sont démissionnées. En effet, il y a des magistrats locaux, des magistrats cécérois. Et il y a une possibilité, il y a une probabilité aussi qu'il y en a bientôt pour resign. Et définitivement, l'État s'est arrivé pour voir nos 17 magistrats et définitivement pour une crise de pays à cause d'un magistrat. Des 4 magistrats, ils participent pour handle tout le monde qu'il y en a et pour organiser un magistrat pour handle tout ce qu'il y en a de pays, il est possible. M. Vidot a aussi confirmé que la loi judiciaire qui fait gagner approuvé mardi par votre majorité de l'Assemblée nationale prend sens grand quelque chose. Et ça à cause, contrairement avec les projets de loi qui ont été proposés la première fois, ça n'a pas fait provision pour révision salaire, ben dis, quelque chose qui révision salaire magistrat, tu peux dépendre de là. Il n'est pas possible une augmentation pour magistrat à ce moment, à cause si nous pouvons parler, ben dis, auparavant, nous pouvons augmenter le salaire magistrat. Pour les autres, ils sont au même niveau, mais qui sont bandits. Et moi, si je dis, il n'y a pas quelque chose de normal qui est capable de gagner à cause de ce qu'ils ont trouvé. Et plus haut, qui est un magistrat. Et définitivement, pas capable de bandits. Même si vous pouvez donner un signe au magistrat, 30 000 roupies, pour gagner plus de 15 000, il n'est pas possible de faire ça. D'après sa projet de loi qui est approuvé par l'Assemblée pour judiciaire et qui vient la loi dès que le président de la République qui met son signature là, nouveaux services étrangers pour gagner à la once 14 000 roupies en plus que son salaire, tandis que le salaire des autres juges pour rester pareil. Seule nouveauté de la loi judiciaire, c'est qu'au lieu d'espérer jusqu'à l'aise de prendre retraite, basé sur ces lois, il est à présent capable de prendre son l'argent de gratuité tous les 5 ans. Il me servit de dire, à part de la cour magistrale lui-même, une fois que ça des magistrats et complètement le cas qu'ils ont commencé, ils ont départ pour aussi affecter le travail, le tribunal, l'emploi. Je crois qu'on a une situation où il y a une crise, à cause, même les temps, ça des magistrats foreigners qui ont décidé de resigner, ils ont fait contact avec CCLOIS et ils ont gagné CCLOIS, en effet, qui ont paré. Et je suis dans mon pari pour venir comme magistrat, as long as qui salaire, c'est pour 28 à 30 000 roupies. Mais l'effet qui ne s'est pas arrivé présent, il n'est pas possible aussi pour vraiment prendre ces lois qui pour parer. À cause, définitivement, ça n'est pas pour attracter les autres titres. À cause, si vous êtes dans private practice, définitivement, on pourra vous dire, Mme Mouni a fait beaucoup plus. Et les temps où cause un magistrat aussi, où cause un juge qui au pouvoir dit, il y en a quand c'est quelque chose qu'ils ont besoin d'abandonner les temps où ils ont décidé de prendre une position pareille, pareil pouvoir vous dire autres la vie sociale, ils ont restreint beaucoup, au mouvement, ils ont restreint beaucoup, quoi qu'on va faire, ils ont restreint, mon quoi aussi, même il a affecté, il y en a l'impact, leur famille, ça m'a dit, mon qui dit ça, ça va en fonction.
à cause, définitivement, si vous avez des enfants, il y a certains endroits qui ne sont pas capables de permettre aux enfants d'aller et il y en a même qui est-il pour les enfants à cause de raison de sécurité. Et pour ça, je ne peux pas dire pour mettre son décor à risque pour savoir quelque chose, si le papi gagne une rémunération qui est appropriée. Justement, les assises de sécurité, il y a un rapport qui dit que dans le camp de Gaswaga, il retourne au Uganda après qu'il y a une menace pour sa sécurité, suivant ses affaires de trafic de drogue qui fait grandissement Lola, quand ça se loin de condamner. Ce que je veux dire, c'est que Gaswaga, de toute façon, il perd le congé. Il finit à parler pour son congé, même avant qu'il tire un jugement de sa carte qui peut faire Lola. Par contre, un statement qu'il fait, comme quoi il est sorti de menacer, l'information qui m'a gagné moi aussi, c'est qu'il y a aussi été sorti en menace après la décision qui a donné de ses affaires. Mais sûrement, il est allé par le congé. L'indication, c'est qu'il peut retourner. Il n'a pas donné aucune indication comme quoi il ne peut pas retourner. Même si aujourd'hui, la Cour suprême il fait son dernier la journée de travail pour sa trimestre et pour réouvrir en septembre, la Cour magistrale y encore et continue son travail.